Bon, la journée avait bien commencé parce que je suis sorti le premier du bateau, j'ai pu passer la douane tout de suite sans problème. Sauf que je suis en panne d'embrayage, j'ai fait 3 km. Ça commence, voilà. Donc j'avais fait connaissance de personnes fort sympathiques sur le bateau et je vais me faire tracter jusqu'à la prochaine station service. Voilà. Bon, déjà le joint est abîmé, pourtant c'est tout neuf. On va changer le joint du récepteur d'embrayage, mais je pense qu'il y a un problème avec la fourchette. Bon, là on a redémonté, du coup j'avais un récepteur d'embrayage neuf. On vient de poser la pièce neuve. Fini les réparations avec les bouts de ficelle. Donc maintenant, j'ai plus de joker pour l'embrayage. Donc ça, c'est fait. Bon, ce coup-ci, c'est bon, ça fonctionne, on fait les pleins d'essence. Du coup, j'ai carrément changé le récepteur d'embrayage. J'en avais un dans le coffre, j'en avais un neuf, donc on a monté le neuf. Ça m'a quand même fait perdre 3 heures, cette petite histoire. Mais l'avantage, vous avez vu, tout le monde klaxonne, hein, la voiture, elle fait un... Tout le monde, je ne passe pas inaperçu. Hein. Donc j'ai perdu 3 heures. L'avantage, c'est qu'à la station Africa, j'en ai profité pour manger. Et puis j'ai mangé pour 20 dirhams, 2 euros, avec le café. Donc on va pas se plaindre. Hein. Et puis j'ai rencontré plein de monde et c'était super sympa et voilà donc de toute manière je sais que de toute manière les pannes c'est comme ça qu'on fait les plus belles rencontres, c'est comme ça qu'on échange avec les gens. Je voudrais juste éviter de tomber en panne tous les 2 km. Voilà, donc la panne mécanique c'est fait, j'ai fait de l'essence, en théorie je devrais pas tomber en panne d'essence tout de suite. Voilà, et puis concernant le bourbier, le plantage, va falloir attendre un petit peu parce que là je vais prendre l'autoroute. Il faut que je rattrape un peu de temps. Et j'ai 2800 km à faire jusqu'à la Mauritanie. Donc je vais essayer de rattraper le temps perdu. Et puis on verra. Voilà. Finalement, je vais vous faire toutes les pannes dans la même journée. Comme ça, je vais être tranquille. Donc là, j'ai un problème de pompe à essence. Plus exactement, le réservoir a aspiré une saleté. Donc j'ai fait les pleins à Nador et visiblement, j'ai récupéré des impuretés. Donc je suis en train de transférer de l'essence du réservoir principal sur mes réserves. Et puis, c'est comme j'avais le plein, bien évidemment. Donc maintenant, on va ouvrir le bouchon en bas et on va vidanger le réservoir. Voilà. Bon, comme ça, hein, je vais griller tous mes jokers et comme ça, après, je serai tranquille. Et j'ai pas fait beaucoup de bornes aujourd'hui. J'en ai fait que 50. C'est pas terrible. Hein. La moyenne n'est pas bonne. Bon, il est 17 h. Aujourd'hui, j'ai fait 50 km. Bon, mais... J'ai repris la route, et puis... pour l'instant, ça fonctionne pas mal. Bon, on a sorti pas mal de merde du réservoir. Hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. L'aventure, c'est l'aventure. Pour avancer, il faut savoir s'adapter. Le soleil est en train de se coucher et
Le paysage est plutôt sympathique.